Ah bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 18 janvier, déjà le 18 janvier 2023, 15h50, heure du Québec, avec une journée complètement étrange, 3 degrés. Euh, on a eu quelques journées ou quelques nuits de froid presque normal, mais même pas vraiment, moins 12, moins 13, mais après ça, ça se réchauffe le jour. On a l'impression d'être au genre de printemps, mais sûrement que les temps difficiles vont venir. En Europe, on a eu une période de temps doux aussi. C'est ce qui a fait que les stocks de gaz naturel sont à un niveau assez élevé, peut-être un des plus élevés depuis longtemps. Gracieuseté de, de Dame Nature. Mais l'hiver ne fait que commencer. Chers amis, merci d'être là avec moi sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. On est en attente d'une catastrophe. Et il y en a une qui est annoncée et c'est partagé par la BBC. Et on va aller voir ça ensemble. Et il ne fait que quelques centaines de kilomètres de long, mais lorsqu'une catastrophe naturelle frappe près du détroit de malacca, les conséquences peuvent être mondiales. le détroit de malacca, comment un volcan, pourrait déclencher le chaos mondial. on le sait beaucoup d'éruptions volcaniques, beaucoup d'activités volcaniques en ce moment, beaucoup d'activités solaires aussi. je n'en ai pas parlé ces derniers jours, mais énormément de tempêtes géomagnétiques, énormément d'éjections de masse avec des tempêtes plus ou moins importantes, qui ont euh, une incidence sur les satellites, sur euh, les télécommunications, mais aussi sur le climat. Et euh, les scientifiques se penchent là-dessus de plus en plus. On est en attente d'une catastrophe. Et on le sait, on est dans un cycle de malchance. Il y a toutes sortes de... Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous rapportais ça depuis des années. Que plusieurs personnes très, très sensées, très intelligentes, comme Greg Braden, entre autres, que vous connaissez, que tout le monde apprécie, des gens comme lui, Bruce Lipton, euh, qui nous prévenait, mais surtout Greg Braden, qui est concentré là-dessus, qui avait un ensemble de cycles qui s'alignaient, politiques, socio économiques, financiers, cataclysmiques. On le voit, on est en train de tout réorganiser la politique à Davos en ce moment avec le Forum économique mondial. Je reviendrai là-dessus, c'est satanique comme c'est pas possible. On le voit, la politique, la géopolitique, les conflits, tout s'aligne pour un chaos perpétuel pour les prochaines années. Et ça, sans compter justement aussi les éléments naturels. Il faudrait pas s'attendre non plus, il faudrait pas surprendre d'une grosse tempête géomagnétique qui frappe la Terre, parce qu'on est dans une période d'intense activité. On ne s'attendait pas à ça, mais le début du 20e, 25e pardon, cycle du Soleil est très intense. Pendant ce temps-là, beaucoup d'activités sismiques. Il y a eu un tremblement de terre en Iran aussi, euh, qui a frappé euh, à 5,8 quand même au nord de l'Iran. On le sait, ces gens-là euh, sont souvent touchés et ont des infrastructures assez euh, faibles. Donc, tremblement de terre. Voyez-vous, dans toute cette série de tempêtes géomagnétiques, d'éjections de masse, il y a peut-être un lien à faire entre toute la. Euh, distorsion climatique. Donc si on revient à cet article-là, chaque année environ 90 000 navires empruntent l'étroite voie maritimes du détroit de Malacca, à ne pas confondre avec Malacca <laughs> du grec, qui relie l'océan Indien au Pacifique. Leur cargaison céréales, pétrole brut et toutes les autres marchandises sous le soleil représente environ 40 du commerce mondial. Au-dessus de ces navires se trouve l'une des euh, routes aériennes les plus fréquentées au monde. Et en dessous, longeant le fond marin, se trouve un réseau dense de câbles, Internet, sous-marin, qui maintiennent le monde en ligne. Hi, on nous annonce déjà le, la catastrophe, si vous êtes capable de comprendre ce qu'on vous explique. là, Ensemble, ces facteurs font du détroit de Malacca, l'une des artères les plus vitales de l'économie mondiale. Il a été classé comme un point d'étranglement commercial dans les rapports de l'Organisation mondiale du commerce, de la US Energy Information Administration et de Chatham House, le groupe de réflexion sur les affaires étrangères basé à Londres. Tout ça pour vous dire que ce beau détroit que tu as là, dommage si quelque chose lui arrivait. Les chercheurs préviennent que ce n'est qu'une question de temps avant qu'une catastrophe naturelle comme un tremblement de terre ou un volcan ne frappe la région et quand ce sera le cas. Nous pouvons nous attendre à des conséquences mondiales. On le voit, on est un peu dans... On est en, 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 pas loin de la Malaisie. Hein? Et on voit l'activité qui là, c'est complètement hallucinant. Waouh! <laughs> la technologie de suivi des navires révèle combien de personnes traversent le détroit de Malacca. Les, la perturbation des principales routes commerciales est un problème bien établi, dû à la criminalité ou à une erreur, une erreur humaine. La piraterie sévit depuis longtemps dans la région, mais le détroit, surveillé en comparaison par l'Indonésie, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande, est généralement sous contrôle. Pourtant, il n'est pas rare que des navires entrent en collision. Euh, dix marins américains sont morts lorsque le U.S. John McCain a heurté un pétrolier battant pavillon euh, libérien en 2017, mais à 1,7 mille à son point le plus étroit, le détroit n'est pas assez mince pour être bloqué par un porte-conteneurs errant de la même manière que le canal de Suez l'était par les 400 mètres. Euh, donc, euh, les plus grandes menaces pour le détroit de Malacca, qui sépare la péninsule euh, malaise de l'île indonésienne de Sumatra, résident dans le monde naturel. Parmi les nombreuses cartes intrigantes de l'activité de la région, la plus saisissante est celle qui ressemble ou celle qui rassemble les volcans Actifs du monde et les tremblements de terre récents le long de la côte de Sumatra et de la partie la plus au sud de Java. En suivant le cours de la fosse de la Sonde se trouve une bande d'activité sismique et plusieurs volcans. Sur Java, deux volcans, le Semeru et le Merapi, dont on parle souvent, hein, on a, je vous rapporte souvent des, euh, de l'activité euh, volcanique là-bas, sont récemment entrés en éruption. Dans le détroit de Sunda qui sépare Java de Sumatra, se trouve le fameux Krakatoa aussi. Et plus à l'ouest se trouve Tambora, ou Tambora plutôt, dont l'éruption en 1815 a causé de mauvaises récoltes aussi loin qu'en Europe et dans le fa le fa la fameuse éruption de Tambora, hein, et dans l'est des États-Unis aussi. L'éruption de Tambora était de magnitude VE17 dans l'indice d'explosivité volcanique, sur une échelle logarithmique allant jusqu'à 18, donc on était presque au maximum. Un événement comme 1815 peut se produire une ou deux fois par millénaire, mais une éruption n'a pas besoin d'être d'une ampleur aussi élevée pour causer de graves problèmes à un point d'étranglement mondial. Wow. En 2018, des chercheurs du Centre d'études sur les risques de l'Université de Cambridge ont envisagé les effets de scénarios incluant une éruption V6 au Marapi. L'éruption, ont-ils suggéré, pourrait produire des nuages de cendres et du téphra fin, des fragments de roches éjectés dans les airs? Qui, le, qui traverserait le détroit de Malacca en direction de Singapour et de la Malaisie, les dommages qui en résulteraient pour les infrastructures locales et les chaînes d'approvisionnement, l'aviation étant particulièrement touchée, se combinerait à une baisse de la température mondiale de 1 degré pour effacer environ 2,5 milliards de dollars, wow, du PIB mondial sur une période de 5 ans. Ce chiffre éclipse les 5 milliards de dollars estimés que l'éruption... Euh, d'un volcan en Islande a effacé de l'économie mondiale qui était d'une force de VE14. La dernière éruption VE14 au Mirapi remonte à 2010, une éruption VE16 au Mirapi est moins probable sa période de retour qui est le temps moyen estimé entre les éruptions est de 750 ans. Pourtant les enjeux sont suffisamment élevés pour mériter de prendre de perspective au sérieux, déclare Lara Mani, volcanologue au Centre d'études du risque existentiel de l'Université Cambridge. Donc mais les cycles peuvent être changés aussi. On se rappelle du fameux tsunami meurtrier en 2004, un tremblement de terre important et relativement proche serait une menace d'une ampleur similaire. Wow! Donc, chers amis, une catastrophe annoncée, les câbles aussi, hein, qui transportent euh, cette formation, les fameux euh, câbles, tout ça peut être remis, tout ça peut s'éteindre avec. C'est un article très intéressant, je vous laisse l'article dans la boîte de description. Tremblement terre ou éruption volcanique dans cette région-là provoquerait le chaos mondial. Préparez-vous, je pense que c'est certain que quelque chose du genre se profile à l'horizon. Je vous laisse ça dans la boîte de description.